Hello mes rois et mes reines, bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Ok, si vous avez remarqué, le décor, il a changé. En fait, j'ai dû déménager, donc en déménagement, réaménagement, j'étais vraiment bouquée. Donc voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, on va revenir sur une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, j'ai un bonnet et tout. Un bonnet, c'est une astuce très très bien lorsque vous n'avez pas fait vos cheveux et que vous devez sortir ou vous avez quelque chose de fait mais vous n'avez pas fait les cheveux. Sortez votre bonnet. Ok. Donc aujourd'hui nous allons parler de port du foulard, mesdames. Je sais que nombreuses parmi nous dans la communauté on a une autre accessoire un peu passe-partout, on le porte à plusieurs sauces et tout. Donc nous allons voir le port du foulard et quelle est son origine. Okay. Donc, j'ai fait des recherches un peu plus poussées. Je voulais savoir en fait si c'était culturel, si le foulard était culturel, parce que j'ai remarqué selon les pays d'Afrique, on la marre d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, je voulais savoir si le port du foulard était culturel. Et alors là, je suis tombée de nu. Le foulard n'est pas quelque chose qui est dans notre culture en réalité. Donc j'ai vu, selon mes recherches, je me suis rendu compte qu'il a commencé dans les plantations créoles, on va dire, en Nouvelle-Orléans. Par noir, des couleurs et tout, avec leurs cheveux, leurs afros, leurs habits de couleurs et tout, leurs bijoux. Donc elles ont commencé à faire des doléances auprès de leur mari et elle voulait que les femmes africaines se couvrent, qu'elles couvrent leurs cheveux, qu'elles couvrent leur tête. Donc elle, à force de doléances, à force de revendications, donc le gouverneur à cette époque, on va dire, nous étions en 1785 précisément, le gouverneur Esteban Rodriguez, donc le gouverneur Esteban Rodriguez Miro, a décidé d'instaurer une loi. La loi dit, on appelle cette loi la loi Tina. Donc, vous pouvez faire des recherches et tout. Donc, toutes les femmes de couleur, qu'elles soient libres, qu'elles soient toujours esclaves, avaient le devoir de se couvrir la tête. Donc, elles ne pouvaient plus se balader avec les cheveux libres. Elle ne pouvait plus se balader avec des bijoux, elle ne pouvait plus se balader avec un certain accoutrement. Donc toutes les femmes de couleur, qu'elles soient libres ou encore esclaves, étaient obligées de se couvrir la tête. Donc, alors les femmes noires, voyant qu'elles n'avaient plus le choix, ont décidé d'essayer d'embellir ces foulards qu'on leur avait demandé, on leur a imposé de porter. Donc, d'où est venu les foulards de couleur, les foulards avec différents motifs, les foulards de différentes textures et tout, pour pouvoir embellir au moins ce qu'on leur avait demandé. C'est pouvoir embellir leur nouvelle manière de s'habiller. Donc, de fil en aiguille, et c'est passé de génération en génération, le foulard est devenu un accessoire de mode, on va dire, pour toutes les femmes de couleur. Donc, et ça s'est transmis de pays en pays, de continent en continent, si vous voulez. Donc, il faut savoir déjà que lorsque nous portons nos foulards, lorsque nous portons ces foulards de manière accessoire, c'est un clin d'œil, ça peut être un clin d'œil pour ces dames, pour ces femmes et combattantes qui ont innové pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions les porter selon nos envies, selon nos désirs. Je vous remercie pour votre temps et pour votre patience. Et surtout, revenez, abonnez-vous à ma chaîne.